Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Les Dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée. Bienvenue à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ok, donc vous revenez chez Joe et Laura après On leur ce faire petit point. la dégustation de ce qu'on a dégusté Voilà. nous-mêmes. Sanglier, petit Vous peu de retrouvez mouton. l'ambiance chaleureuse chez Joe et Laura, vous débriefez de cette soirée Je mets et posé vous. mon marteau près du feu. Ouais, ok. Tu sens Moi, à je vais nouveau jouer un petit peu avec un mon luth contentement là, pendant que je sais. il est content. Et ton luth, bah, tu joues avec et tu te rends compte qu'effectivement, il a une mélodie qui est inégalée. T'as jamais réussi à avoir une telle douceur dans la mélodie par rapport C'est juste aux qu'il est autres instruments. accordé. Il est con. Lol. Et si tu as télépathie, La tu bonne pourras idée. communiquer avec ton luth. Si j'ai télépathie? Oui. Genre message, tu veux dire, ou une vraie compétence de Ça, télépathie? bah, message, ça peut marcher pour parler avec Ah ton ouais, luth. d'accord. Mais qu'est-ce qu'on parle avec un luth? Bah je sais pas, écoute, je testerai. Je testerai dans ma chambre parce que j'ai pas envie d'être bizarre en mode genre je regarde mon truc comme ça et vous savez pas ce qui se ouais. passe. Bah du coup, vous arrivez au soir et vous allez pouvoir aller vous coucher. Dites-moi ce que vous faites. On a une chambre chacun ou on est dans la même chambre ou... Vous êtes dans la même chambre avec Mayal. Eldebaff a sa Ok. propre chambre. Ok. Voilà. Bah, Ma comme chambre ça on va d'enfance. pouvoir discuter Avec mes posters Comme ça on va pouvoir faire des et son stratégies avec image de Mayal tiercé. et mon image de c'est ça de tiercé affichée. C'est un peu gênant. Un peu gênant, ouais. Je crois que je vais la ranger. Mais elle était rangée dans un tiroir, je l'avais trouvée dans un Ah, tiroir. c'était On dans va un la ranger tiroir. ailleurs parce qu'après ta future femme, si un jour elle tombe dessus, elle vient Je l'avais trouvée mettre dans le quelque chose. tiroir, Je je sais pense que pas tu... qu'elle viendra Tu sais habiter pas. là. Je te signale qu'elle vient régulièrement dans la maison, hein. Donc elle peut très bien Ouais, mais monter, bon. chercher un truc. Hop, elle ouvre le tiroir Et je suis malencontreusement. sûr qu'elle avait ses crushs, elle aussi, quand elle était petite. Bah sûrement, oui. C'est Dans sa normal. jeunesse. Ah. Bah du coup, alors si on est toutes les deux dans la chambre, à Maya, je lui dis... Attends, je voudrais tester un truc avec mon luth parce que c'est vrai, tout à l'heure quand j'ai joué, Ok. t'as vu la mélodie, elle était quand même assez impressionnante comparée à d'habitude. Je vais essayer de lui Alors, il est parler. hyper musical, mais Ouais. Tu je vais lui essayer de parles lui parler et on va voir ce qui se passe parce que Est-ce j'ai que tu jamais joues parlé. en En même cas, temps que Kawen tu lui n'a pas parles? grogné. Ouais, je vais faire une petite mélodie Oh mon petit que je luth, fais. Après, quand réponds-moi. je parle par message, je parle dans ma tête, on est Je sais d'accord, pas hein, je quoi. peux plus Oui, c'est dans parler ta à tête, ouais. l'extérieur, ouais. Du Bah coup, bah écoute. j'essaie de faire une mélodie que j'ai jamais jouée, enfin que j'ai jamais jouée devant les autres en fait, et c'est genre une mélodie que genre la toute première que j'ai appris quand j'ai fait de la musique. Ouais, ça donne quoi comme mélodie? Ça ressemble à une musique de comptine un petit peu, tu vois, un truc vraiment très doux, etc. Et c'est du coup c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en plus, donc c'est un peu pour montrer au luth que j'essaye de lui faire, enfin pas de lui faire confiance, mais je Ça fais une berce part hein, quoi. Pawen, il est content. Ok, mais bah au moment où tu parles au luth en même temps que tu chantes, tu entends une petite voix qui progressivement s'élève dans ta tête et qui fait Ouais. Il chante avec un luth. Oh, j'aime beaucoup cette mélodie. Ah, c'est vrai, tu aimes bien. Ben, Oui, je suis très enchantée agréable. de faire ta connaissance, cher luth. Est-ce que Eh tu as bien, un nom? enchanté également, c'est vrai qu'il est rare que mes utilisateurs soient capables de me parler. C'est là quelque chose de fort agréable, dites-moi. Trop bien. Est-ce que tu as un nom? Parce que je veux pas t'appeler Eh Monsieur Luth. bien, oui, j'ai un nom, mais je ne voudrais pas vous le donner trop vite. Ah, pardon. Comme, enfin,
Quel est le vôtre? Comment m'appelleriez-vous vous, de votre côté? Je suis toujours curieux de savoir ce que pensent les Alors, autres. Alors attends, le luth, il était comment? Il est en ébène avec, ouais, c'est avec pas des frettes en or, tout à fait. Les frettes, tu sais, c'est des petites barres là où tu mets tes doigts, etc. Ouais, il y a des incrustations en nacre et des frettes en or. Mm. Donc nacre, il a un peu... Donc nacré, donc ça fait les couleurs qui bougent un peu comme ça et tout. Ouais. Attends, moi je suis haut d'écarlate. Oh, éclatante, putain, je comprends à chaque fois. Mon écarlate, je vais l'appeler lutte écarlate. Haut d'éclatante. Lutte sanglante. Mais il est pas couleur écarlate, donc c'est. Non, il est pas couleur écarlate, effectivement. Ouais. Ça pourrait être. Il est en ébène, ébène. Ouais, mais attends, après, j'allais dire sombre mélodie, mais ce qu'il a, comme il est d'ébène, c'est très noir, donc. C'est un peu pas très joyeux, il a l'air d'être super un peu groovy, jazzy, tu vois, avec la voix que tu lui as fait. Donc, je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse, on se connaît pas encore assez pour que j'arrive à vous trouver un nom. Ah, je pourrais te donner mon nom, mais j'aime bien ces petites très questions. Bien. Bah, on va s'apprivoiser tous les deux, alors. Et toi, tu m'as dit... Oh, d'éclatante. Oh, d'éclatante, quel nom fascinant. Oui, alors après, je change des fois un petit peu mon nom, suivant les situations, mais pour l'instant, c'est oh, d'éclatante. Ah, je vois. Eh bien, écoute, pour le moment, tu pourrais m'appeler également Atior, disons que ce sera mon nom du moment. Atior. Ok. C'est beau, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien, je trouve que ça rime un peu avec j'adore. Oui, c'est vrai. Il n'a pas l'air de se prendre pour fort, moi. J'aime bien globalement tous les noms qui riment en or. Cela reflète déjà mes frettes et mon caractère, tout en rappelant voilà, toutes mes qualités propres et intrinsèques. Vous avez l'air d'avoir de superbes compétences. On verra ensemble. J'espère que vous Mais en déjà, ferez un excellent votre usage. Mélodie et vos mélodies sont déjà très agréables. Donc... Eh bien, je vous retourne le compliment. Et j'espère qu'ensemble, nous produirons les plus charmantes mélodies que ces terres aient connues. Alors, justement, je compte un peu sur vous parce que je ne sais pas si vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous. Mais on a un mariage en préparation. Oui, j'ai cru donc, entendre tout ceci. On va faire une représentation, etc. Donc voilà. Cela me met en joie, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Voilà. Eh bien, j'ai hâte. Du coup, bah, voilà, il va falloir qu'on travaille tous les deux pour faire une belle représentation pour mon ami, le futur roi de la montagne. C'est parfait. Tilalam, tilalam. Il se remet un peu à chantonner. Et donc, du coup. Alors, du coup, j'arrête de parler avec lui en jouant et tout. Et puis, du coup, je dis à Mayal. Il a l'air super sympa, mon lutte. Super motivé et tout. On va trop bien travailler tous les deux. Tu captais qu'au moment où il commençait lui-même à chanter, tu sentais que les cordes n'en pouvaient plus, qu'elles frétillaient d'envie de chanter elles-mêmes, quoi, tu vois. Ouais. Ça va être trop bien. Est-ce qu'il peut jouer tout seul? Non. Ah, malheureusement, non. Il n'a pas cette capacité. Il peut chanter de son côté, ce qui fait qu'en fait, ses cordes sont prêtes à être utilisées. Mais non, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui en joue. Qui vient les pincer. Trop chouette. Ouais, puis du coup, ça m'apaise un peu avant mon potentiel prochain soir. Ton rendez-vous de la nuit. Je sais pas ce qui va m'arriver cette nuit, donc ça me détend un peu au passage. Ok. Bon, et alors, bien, sinon, Mayal, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait, tu fais un petit sachet, un petit truc pour les alliances, pour qu'on puisse lui offrir et tout. Enfin, les petites bagues, c'est pas des alliances, mais les petites bagues magiques là qu'on a pris. Oui, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait les emballer. Je peux peut-être voir avec Laura aussi. Ouais, on pourra voir avec Laura demain. Ouais. Un joli paquet. Et puis à quel moment on lui donne aussi. Oui, il faut qu'on demande un peu à Laura les protocoles sur les cadeaux, tout ça. Nous, on sait pas. Est-ce qu'on peut le voir à part pour lui donner personnellement, tout ça. Ou est-ce qu'il faut le mettre sur la table à cadeaux. Oui, parce qu'en même temps, il faudrait leur donner à tous les deux en même temps. Parce que c'est un cadeau un peu pour tous les deux, quoi. Mais peut-être qu'on peut même leur donner, peut-être même avant la cérémonie. Je suis pas sûre qu'on a le droit de faire ça. Faudra qu'on demande. Je sais pas si. Ouais, parce que ça veut dire qu'ils auront déjà des bagues pour la cérémonie. C'est vrai. Peut-être après.
faut qu'on demande le protocole. Pendant le, après le repas, je sais pas. Avant la cérémonie du couronnement, mais après la cérémonie du mariage, avant. On va demander à Laura ce qu'elle veut. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très calé nous sur tout ça. Il y a le repas avec ma belle famille qui doit avoir lieu aussi. Avant le mariage. Ouais, mais ça sera avant le mariage. Après, ouais. Si vous, c'était ce que disait Mayal, si vous avez des alliances, enfin, c'est pas des alliances, mais une bague. Après, ils ont de toute façon, ils vont avoir. Comme ils ont beaucoup d'appareils, ils ont peut-être quand même des bagues ou vraiment ils font les mains nues pour pouvoir. Pour qu'au mariage, j'ai qu'une seule bague. Je pense c'est qu'on pas a. Alors après, attends, j'ai pas bien compris ta question là, c'était quoi? Est-ce qu'on aura déjà des bagues aux mains? Est-ce qu'ils ont quand même des bagues d'apparat, en fait? Ah oui, oui, oui. Pour le mariage? Avez... Ou est-ce qu'ils sont, ils sont mains nues pour qu'on voit bien l'alliance? Vous avez pas vu comment dire, les rituels? Mais les rituels chez les nains, ça se passe pas avec des bagues. Ça se passe avec. Avec plutôt des. En fait, t'as des. Généralement, t'as. Voilà, ils mettent la main l'un sur l'autre et il y a des liens qui sont mis autour et les témoins viennent rajouter des liens également autour de tout ça et les nouer et du coup ce qui crée le lien. Parce que et, du coup, il nous a proposé d'être témoins, mais on sait. Le lien est béni par Tran, okay. Mais le prêtre sera là pour vous aiguiller là-dessus. Voilà. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut offrir les bagues avant. Oui, vous pouvez offrir les bagues avant. Ok. Vous rajoutez de la ficelle. Comme vous des pouvez bagues, les offrir après aussi, hein, c'est vous qui voyez. À la fin, il faut que ce soit un sapin de Noël. Ouais, ou sinon, on peut les offrir juste après la cérémonie et avant le banquet, tu sais, quand on le voit pour les féliciter et tout. Mmh. Ouais. Je pense qu'on pourra faire ça. Complètement. Carrément. Bon. On a une journée bien chargée quand même. Tu allais se coucher parce que demain, c'est pareil, on rebelote. Parce que demain soir, on fait la sortie entre filles. Donc... Ah oui, c'est vrai. Puis il faut finir la tenue avec Laura et tout. Ouais, et moi, il faut que j'aille faire. Vous avez pu avancer sur la tenue un peu ce soir aussi. Laura a avancé dans la journée. Elle a déjà fait les premières découpes pour te montrer. Et vous avez commencé à mettre ensemble les petites décorations que vous vouliez mettre sur la tenue, etc. Il faut que je lui parle juste du nœud pour Pawen et puis de petit emballage pour les alliances. Ouais, bon ça sera pas très compliqué je pense. C'est sûr, c'est le plus petit truc je pense, ça devrait aller. Bon allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. On éteint la lumière. J'éteins les loupias, tu sais. Tu enlèves tes lumières d'encens. C'est ça exactement. Vous vous couchez. Vous vous couchez et voilà, le bruit s'éteint progressivement dans la maison jusqu'à ce que le silence règne. Aude, de ton côté... Oui. Il ne se passe rien. Si, il se passe à nouveau quelque chose, tu retombes à nouveau dans un songe qui commence de nouveau dans cet endroit nimbé de blanc. Ok. Tu es de nouveau seul, et de nouvelles volutes de fumée forment progressivement un décor. Tu te retrouves dans une maison bourgeoise. La jeune fille est en train de s'occuper de ranger de la vaisselle. Elle a peut-être quelques mois encore de plus. Elle doit s'approcher des 12 ans, désormais. Elle est en train de s'occuper de la vaisselle. Une pile absurde d'assiettes toutes prêtes à s'écrouler dans les mains. Et l'inévitable arrive quand la vaisselle en porcelaine choit sur le sol. Se brisant en mille morceaux. La jeune fille affolée se met à genoux, pleure et ramasse les morceaux à s'en couper les genoux et les mains. En alerté par le bruit, l'homme arrive dans la pièce et il entre dans une colère noire. Est-ce que je peux essayer d'intervenir ? Tu peux essayer d'intervenir. Parce que du coup, je me doute de ce qui va se passer et ça me rappelle des mauvaises choses, donc j'ai envie d'essayer d'intervenir. Bah, je tente d'essayer d'intervenir de soit vous. Tu essayes, et en fait, quand tu plonges tes mains pour essayer de l'attraper, tu passes complètement au travers. Ça fait de la fumée, quoi. Les volutes, voilà, ça fait de la fumée quand tu passes au travers. Et, se reforme derrière. Et tu assistes à cette scène où il la traîne à même le sol, plein de débris pour lui apprendre qu'il ne faut pas casser la vaisselle. Il a 100 fois plus de valeur que sa propre vie, il le répète à plusieurs reprises. Je ne vais pas entrer dans les détails pour vous préserver, mais différentes scènes
se succèdent entre maltraitance pour de menus détails et un intérêt grandissant de l'homme à mesure que la jeune fille devient progressivement une jeune femme. Et le seul moment de réconfort qui semble être ceux où elle est dans sa chambre avec un petit carnet dans lequel elle dessine, où elle écrit. Ou quand elle doit potentiellement sortir, faire des courses également. Ce sont les moments les plus joyeux pour elle. Et l'intérêt que lui porte l'homme, évidemment, n'est pas partagé. Et arriva à son paroxysme tandis qu'il la força un jour à coucher avec lui. Dans un moment écœurant et déchirant entre violence charnelle et les sanglots de la jeune femme. La nuit qui suit cette ultime scène, tandis qu'elle était recroquevillée sur son petit lit dans sa chambre de bonne, une ombre se dessina progressivement sur le mur de la pièce. Une voix masculine, sévère et en colère s'exprima. « Pleure tant que tu le souhaites, mais cela ne l'empêchera pas de recommencer. » La voix d'un homme aux traits fins, la moustache et barbichette taillées, mais le regard perçant se détache de l'ombre. Il n'a aucun droit de te posséder de la sorte. Ce n'est qu'un dégueulasse qui mérite de crever dans les plus terribles souffrances. La jeune fille commence à redresser la tête et à respirer plus rapidement par saccades. La colère monte en elle. Je peux t'aider à te venger. C'est deux personnes. Je vois bien deux personnes différentes, quoi. Tu vois deux personnes différentes. C'est tu bien, vois y a elle la et jeune une autre femme personne. Ouais, d'accord. Sur le lit et tu vois cette personne-là qui est dans l'ombre. Tu vois juste un peu se dessiner sa silhouette et t'as du mal à voir son regard, mais tu vois qu'il même a l'air si d'être sévère. Je peux pas voir quoi. Ouais, même en t'en approchant, tu vois des traits effectivement qui sont vaguement humains, des traits sévères avec justement cette moustache et cette barbichette. Il dit effectivement, je peux t'aider à te venger, à le manipuler, à le faire souffrir comme il t'a fait souffrir. La jeune fille le regarde avec espoir. Et il enchaîne. Avec moi, tu n'auras plus à craindre. Personne. Tu n'as qu'à me dire comment tu t'appelles et me dire que tu veux mon aide. Et elle te sera accordée. Sur ce, la jeune fille, désespérée, lui répond. Je m'appelle Magdalene. Et je veux ton aide. Le regard un peu effrayé, mais décidé. Très bien, Magdalene. Je suis heureux de faire ta connaissance. Tu peux m'appeler Ozayas. Et je serai désormais ton protecteur. Tout ce qu'il te faut faire désormais, c'est peindre un tableau de ce porc qui te sert d'hôte, en le dépeignant dans la situation qu'il redoute le plus. Et la scène s'achève, te réveille, et c'est le matin. Tu entends à nouveau Joe dans sa forge en train de travailler. Juste pour mémoire, le tableau qu'on avait trouvé chez elle, c'est pas cet homme. Si. Ah. C'est l'homme à la moustache ou c'est l'homme le non, riche? Non, c'est pas l'homme à la moustache, c'est l'autre, l'homme riche. Mais c'est son tortionnaire. C'est pas le tableau en question dans la situation qui lui déplaît le plus. Si, c'était juste un portrait, non ? Si, si, parce que si tu te rappelles de ce à quoi ressemblait ce portrait, c'était un homme modeste, de faible extraction. Il semblait effectivement être quand même un marchand, mais qui était, semble-t-il, bien plus pauvre sur cette représentation. Ok, donc c'est le tableau qu'on a cramé. Tout à fait. Que t'as cramé. Vous avez cramé le tableau, tout à fait. Donc je sais pas si ça avait un impact ou pas de cramer le tableau, mais bon. Nous verrons bien. En tout cas, c'était l'une des seules choses qui était encore en bon état dans la maison, et vous l'avez cramé. Ouais. Ok. Attends, je note ça. On avait froid. Je pense qu'on a fait une connerie. On a fait quelque chose, en tout cas. Bah, c'est pas grave. On pourra toujours aller la venger physiquement. Je t'écris pour toi-même sur Discord comment s'écrit Ozayas. Très bien.
Nous, on n'a pas le droit de savoir. Symbole cabalistique. Non, parce que de son côté, elle, le mot s'est dessiné, enfin elle l'a vu dans son rêve, déjà c'est la seule qui est au courant pour le moment. Et quand il l'a dit, il a l'air de l'avoir un petit peu dessiné dans des volumes de fumée dans l'air, quand il l'a raconté. Donc, toi tu as vu ce que c'était. Mais vous pouvez en discuter. Le matin est arrivé. Mayal, je me réveille, j'ai froid toujours. Pendant que t'es réveillé, oui, la sensation n'a pas du tout changé depuis la veille. Ah ouais, je l'ai toujours depuis. Exactement. Du coup, je l'ai la vraiment depuis la première fois où elle est rentrée en moi, en fait. Ça s'est déclaré la nuit précédente, pas avant. Et toi, t'es réveillé dans la pièce et tu vois Mayal qui a le nez qui siffle un peu et qui dort bien profondément sur son matelas. Mais en fait, avec tu vois, les matelas, ils sont tellement confortables parce qu'ils doivent être super épais pour supporter la carrure des nains, alors que moi, je suis une petite alpheline, donc je suis pas prête dedans, de toucher le sol, même s'il a même le sol, le matelas, donc je vis ma meilleure vie dans le matelas. Ils doivent être assez durs parce que... Vous êtes plus lourd, ouais. Ouais. Mais après, bon, c'est bon dos. Ça reste molletonné par rapport à un sanctuaire. Ouais, ça reste molletonné quand même. Il y a quand même une partie un peu confort, ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais être isolé Ce qui sert un peu de salle de bain, éventuellement. Ouais, et ben je vais me lever. Je sais pas, si j'imagine que j'entends déjà Joe en train de. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu l'entends, effectivement, en train de bosser pas dans si la forge à côté. Laura s'affaire déjà quelque part, mais ouais, en fait, je cherche un lieu où je peux être. Laura est en bas, tu sais pas quoi faire, mais tu entends les blobs du. Tu entends les blobs de la marmite. Ok. Bah, je vais m'isoler dans la salle de bain et je vais essayer de. Alors, dans ma tête, parce que du coup, ça sert à rien, forcément. Du coup, Magdalène, je lui parle dans ma tête depuis le début, donc quand elle me parle. Et du coup, je vais l'appeler. Je vais lui faire Magdalène. Trois fois devant le miroir. Ouais, trois fois devant le miroir. Dans le miroir. Elle arrête pas de parler tout seul aujourd'hui. Là, c'est dans ma tête, mais c'est juste qu'au moins, je suis dans la salle de bain, il y a personne qui me voit bugger comme ça. Tu l'appelles peut-être. Vu comment je ronfle, Tu l'appelles peut-être une, deux fois, effectivement, et au bout d'un moment, tu entends. Oui. Est-ce que c'est vos... Enfin, je m'en doute, mais je veux demander confirmation. Mais toutes ces images que je vois la nuit, c'est... C'est ma vie. Si je la tutoie, si je la vois, je vais la tutoyer parce que voilà. C'est ma vie. C'est ta vie. Passée. Et j'ai une question. Tu n'as pas encore tout vu. Ce tableau qui se trouvait chez toi. J'imagine même. C'est déjà pas très joyeux. Ce tableau qui se trouvait chez toi, c'était cet homme ? Oui, c'était lui. Et on a... Il faisait froid, on a dû brûler le tableau. Est-ce que c'est grave qu'on ait brûlé ton tableau ? Eh bien, vu qu'il m'a déjà tué... Enfin, est-ce que ça a un impact ? Non, ce n'est plus n'est plus grave. D'accord. Ah, donc c'est lui qui l'a tué. Donc tu... Ta volonté, oui, c'est pas, je peux pas comprendre ce que tu dis. Bah, et comment ta dire, volonté de revenir, c'est pour ta vengeance. Je ne sais pas en quelle année sommes-nous. Bah, je lui dis du coup, parce que moi, je sais pas en quelle année. Tu lui dis, et en fait, elle te dit également de quand ça date. Tu te rends compte que ça doit remonter à peut-être 300 ou 400 ans l'histoire qu'elle te raconte. Ouais, bon, elle a... Et ah, elle te dit. J'en déduis que mon plan était le bon. Je pensais qu'il allait me tuer. J'espérais pouvoir profiter de ma vie quand lui ne serait plus. J'imagine qu'aujourd'hui c'est le cas. D'accord. Et si tu reviens, tu reviendrais à l'âge auquel tu es décédé ? C'est comme ça que fonctionne la résurrection, oui. Et là, je sais... Oui, je l'ai vu en spectre, donc je sais globalement quel âge elle avait. D'accord. Globalement, oui, elle avait encore toute sa vie devant elle. Oui, bah c'est ça, si elle avait la vingtaine, elle avait longtemps. Ok. Et si tu montes toutes ces images, c'est pour que je ne sois pas contre le fait de te ramener à la vie ?
Ça manque un peu de subtilité, je pense qu'il oui, est important. Oui, je suis désolée, je dors mal en ce moment, excuse-moi. Mais je dors pas avec tes conneries. Oui, que tu comprennes qui je suis, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi je suis hors la loi aux yeux de Crous, et également quelle relation je peux avoir avec les dieux. Ça, j'en apprendrai plus plus tard, j'imagine. Tu m'en apprendras plus tard. Très bien. Petite sieste dans l'après-midi. Mais sache que ce protecteur a eu une importance énorme pour moi. Mmh. Et en bien j'imagine comme en que... mal. Ah bah en général, les protecteurs de ce genre, même si je ne connais pas les tenants et les aboutissants, ça a toujours un prix. J'imagine très bien que tu n'as pas eu que des avantages. Son absence, disons-le, a été plus néfaste pour moi que sa présence. Sa présence. Effectivement, s'il n'a pas été là pour te protéger, le moment fatidique, effectivement, c'est problématique. Je vois que tu as découvert une partie de tes capacités. Elles étaient mes oui, cadeaux de mon protecteur. Aujourd'hui, par ma présence, je suis ta protectrice. Mais c'est du fait de ta présence, oui. C'est ça. Mais du coup, de ces dons que tu avais, tu t'en servais pour aider les gens ou... Cela faisait là, partie de mon quotidien, oui. Effectivement, c'est une responsabilité qui t'est donnée de veiller sur les morts, à ce qu'ils trouvent le bon chemin. Peut-être d'enquêter également sur qui sont ceux qui... Qui ont causé leur fin. Qui ont causé leur fin, effectivement. Mais si... Quand tu reviendras à la vie... T'as vu, tu remarques que j'ai pas dit si. Mmh. Quand tu reviendras à la vie... Est-ce que tu auras toujours ce don d'aider ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être mon protecteur sera là, peut-être qu'il ne sera pas là. D'accord. Peut-être... aurais-je la possibilité d'être sinon une simple femme? Oui, aussi. Et d'enfin pouvoir vivre ma vie. Peut-être avec mes décoctions, mes potions et faire un commerce. Très bien. Très bien. On va pas lui dire qu'on a tout piqué. Ça fait 300 ans qu'elle prépare son business plan, là. Tout était enfin, hyper bien conservé, n'empêche, en 300 ans avec la protection magique, c'était nickel. Elle te dit, je sais ce à quoi tu penses. Je sais ce que vous avez fait chez moi. Désolé. Oui, mais je le vois dans ça tes souvenirs, mais... Ça ne te servait pas, de toute façon, et puis tu pourras en refaire. Mais le but était là, de toute façon, que vous trouviez ce qu'il fallait pour me sauver. J'aime autant que vous en ayez pris plus que pas assez. Voilà. Et puis, on est des personnes avec des bonnes intentions. N'empêche que... Ça aurait pu tomber sur de vrais voleurs. À parté, si j'avais pas pris le diamant, on n'aurait pas pu la ressusciter. On n'aurait jamais rien su. Oui, mais t'aurais forcément pris le diamant. La maison n'aurait pas commencé à marcher. Est-ce que, c'est véritablement, j'avais cru qu'à un moment donné, tu ne prendrais pas le diamant? Non. Et si je m'étais retenue, tu vois, si j'étais allée contre ouais, la nature ouais. profonde de Mayal, tu vois, oui. on n'aurait pas eu de story, tu te serais bien emmerdée. Non, je sais que vous auriez de toute façon touché à quel que soit l'objet qu'il y avait dans cette cave, et il suffisait pas que de toucher au diamant pour que ça se passe. On aurait bien eu un autre piège. C'est juste que tu t'es précipité sur le diamant. J'ai mis un truc qui était évident pour que vous vous disiez c'est à ça qu'il faut pas qu'on touche et le reste on peut y toucher, alors qu'en vérité il y avait rien sur lequel vous pouviez toucher. Un diamant d'innocence. Juste, t'as été la première à céder, c'est tout. Mais après, je ne pensais pas véritablement que ça allait être sur le truc le plus évident. J'avais un petit espoir mais je ne pensais pas que ça allait être sur le truc le plus évident, que vous alliez vous jeter en premier. Jeter, j'ai attendu que toutes les descriptions. Tu t'es jeté dessus, c'est le premier truc vers lequel t'es allé. C'est clair.
On a la vidéo. On a la vidéo. C'est un peu demander le ralenti, hein, c'était ouais. Avec le timecode. Mais je ne l'ai pas pris directement. Il y a eu un petit temps quand même. Mais bref, vous avez fini. Vous avez fini votre discussion avec avec Magdalène. Ouais, je fais quand même mes petites ablutions pour faire genre j'ai pas été dans la salle de bain pour rien. Ouais. Mais du coup. Hey, y en a qui attendent. Moi je vais toquer là. Voir Laura. Je pense que j'ai pas mis parce que la discussion a pas duré très longtemps et. Et je fais juste des ablutions un peu pour me rafraîchir les idées plus que me rafraîchir vraiment quoi. Ok. Et je descends voir Laura donc je pense qu'il y a toujours personne de levé. Non effectivement ils sont pas encore levés. Écoute. Elle te propose de l'aider potentiellement à avancer un petit peu sur le petit déjeuner, sur la préparation du petit déjeuner pendant qu'elle avance encore un peu sur la tenue de Nirline. Ok. Et rapidement, au bout d'un moment, elle entend que là-haut, ça commence à se lever, qu'Eldebaf et Mayal commencent à se lever aussi, donc elle c'est range. C'est quand même qu'il me réveille parce qu'il a faim. Elle range la, oui, c'est possible. Elle range la tenue de Nirline et vous descendez, vous prenez le petit déj. Ouais, faut pas que je vois la robe de la mariée avant. Hein. Oui, t'inquiète, elle y veille. Parce que pour les nains, c'est pas 7 ans de malheur, c'est 70 ans de malheur. Ouais, pas la même durée de vie, c'est plus long. Hein. Bah pendant le petit déjeuner, je parle à Laura du petit nœud pour Pawen et tout. Ouais, ok, moi elle te dit. Ah, moi du coup, le matin, quand on était que toutes les deux, je lui dis qu'on aura besoin d'une petite pochette parce qu'on a fait un petit cadeau avec Mayan, donc. D'accord, ok, bah écoute, elle. Ça, elle sait qu'elle pourra nous faire un petit truc. Elle prévoit la pochette, très bien. Et vous avez petit déjeuner. Il me semble que vous vouliez faire un passage à l'hydre qui chante, c'est ça? Oui, ouais, tout à fait. On peut y aller en fin de matinée. Bah oui, après manger, de toute façon, on a dû se lever bien tard, j'ai l'impression. Ok. Bah, enfin, tout le temps qu'on a dû prendre pour digérer tout ce qu'on avait mangé. Pour aller un petit peu vite en termes de timing, parce que y a le temps qui tourne et qu'il faut qu'on fasse quand même la rencontre avec le frère de Nirline. Vous allez à l'hydre qui chante et. Ça. Voilà, assez rapidement, vous faites la commande et en fait, eux, de leur côté. Avait espoir, sans forcer la main, hein, que au final, effectivement, la famille royale, ou la future famille royale en tout cas, vienne les solliciter pour la boisson, etc. Donc ils vous disent qu'effectivement, ils ont ce qu'il faut, qu'ils peuvent fournir, et qu'ils se feront même un plaisir d'être présents pour assurer le service. Faut faire vivre le commerce local hein, en même temps. Et je leur pose la question, s'ils ont aussi des digestifs, peut-être à rajouter à ceux. Ça peut se faire également. Ils ont plusieurs digestifs à je leur dis ce que Malgron proposait là, le classique. Oui, bon, ils font une petite moue. Ils disent oui, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, bon, ils sont un peu nuls quand même. Ils sont un peu polis quand même. Mais proposer quand même un deuxième choix un peu plus haut de gamme. Ils proposent plusieurs choses. Ils proposent un hydromel notamment qui est vieilli pendant pas mal d'années et qui est produit dans la région de Terrascon. Ça nous rappellera nos histoires. Est très fameux et très très connu. Il vous propose également un vin liquoreux nain. Qui est produit donc dans les vignes qui poussent sur la montagne et qui se gorgent du soleil et qui du coup apporte quelque chose de en termes de goût d'assez exceptionnel qu'on peut rapprocher à l'hypocras en termes de pour ceux qui nous regardent et pour vous derrière la table pour avoir une base de comparaison. Donc il vous propose ces choses-là. Je penserais plutôt sur celui-là, parce que... Alors, ils te disent, on peut proposer les deux. Okay. Chaque personne pourra choisir lequel elle veut. Hein. Très bien, on peut tout proposer. On peut également, pour faire plaisir à Malgron, ouais. Garder son idée aussi de fruits macérés dans la liqueur des montagnes. Voilà. Bon, la liqueur des montagnes, c'est pas non plus un alcool qui est très... c'est fort, mais c'est pas un alcool qui est très intéressant. Donc, le travailler avec des fruits, ça peut être quelque chose d'un peu sympa. Arrangé, je puis dire. Moi, l'idée que j'avais en tête, c'était essayer de
de tout ce qui est un peu terroir, de le ouais, bien sûr, promouvoir, ouais. Parce que ils peuvent mettre en avant davantage le vin liquoreux des Moncourt. Voilà, et en tant que roi, c'est mieux quand même de mettre en avant les produits aussi du peuple nain. Ouais, ils valident, ils prennent bien en note de tout ça, et ils vous remercient encore une fois de passer commande à l'hydre qui chante. Très bien, j'ai déjà la carte. Il me tend la carte d'abonné, tu sais. Avec des déjà. Petites, oui, des mais petites, il a déjà boxe. Presque, il a déjà presque rempli son truc de tampon, tu sais. À la 20e bière, un tonnelé offert. Moi, j'ai bien envie qu'on ramène aussi quand même. Je pense toujours à Laura et à Joe une petite bouteille du vin liquoreux parce qu'ils doivent pas s'en acheter tous les jours. Ouais, bah même tu vois, de toute façon, aussi, ils vous ont proposé de partir avec une oui, ou deux bouteilles pour également pouvoir faire déguster à Nirline et lui faire valider. Quoi. Pour en parfait, ramener à Dolora et à la soirée avec les... Exactement, ouais. Avec le frère. Avec les frères, ouais. Ouais, parfait. Bah avec les parents, tout ça. Hein. Oui, le repas de famille, là. Très bien. Et vous partez après en direction du quartier des Barbefères et de la maison des Nisnora. Je ne dis pas de bêtises sur le nom de la maison. Vous y retrouvez évidemment Nirline qui y était déjà, qui vous accueille à l'intérieur de la maison et vous invite dans une petite salle, un petit salon, dans lequel vous retrouvez un jeune nain qui se présente comme étant Narlo, donc le frère de Nirline. Narlo est plutôt grand pour son âge, il est encore en pleine croissance, il est élancé pour un nain, il n'est pas encore très épais, il a les cheveux brun foncé comme son père, les yeux noisettes comme sa mère, un fin duvet qui commence à parsemer son menton, ses joues et le dessus de ses lèvres qu'il touche souvent parce que c'est encore nouveau donc il en est assez fier. il a des vêtements nobles mais un peu mal mis, un peu trop petit pour lui, il est un peu dégingandé. Et il est assez peu soigneux avec ses vêtements. Et okay. Vous voyez que il a ce comportement avec vous d'être de vouloir paraître fier et d'être un peu plus grand et plus âgé qu'il ne l'est, mais en même temps de pas être sûr de lui, d'un peu bégayer par moment. Et voilà, c'est un adolescent nain quoi, en gros. Très bien, on a le portrait. Et donc il vous dit bienvenue. Installez-vous. J'ai tout prévu. Les musiciens vont arriver d'un instant à l'autre. Ce sont des musiciens très connus qui tournent dans tout le royaume. Dans le royaume du cœur aussi. Et donc j'espère que ça vous plaira. Moi, je suis sûr, ça va être super. Et, hashtag noce de massista. C'est un peu ça. Ah ouais, les jeunes jeunes, quoi. C'est un peu ça. Et vous voyez d'ailleurs qu'il a, qu'il a des dessins un peu sur le corps. Voilà. Wow. C'est pas des tatouages, mais c'est des dessins et tout, temps, quoi. D'accord. Il a pas encore eu l'autorisation de faire des vrais tatouages. je lui fais un compliment sur l'un d'entre eux. Ah, tu vois qu'il rougit. Ah, il veut se mettre bien avec la famille. Ah, merci. Ouais. Attends, c'est son futur frère quand même. C'est une bien belle enclume que tu as là. C'est un pigeon. Et en fait. C'est un chat. Il fait. Donc, dans le salon dans lequel vous êtes, il y a des instruments qui commencent à s'installer et vous avez une espèce de banderole qui s'installe aussi où vous avez des nains qui vous saluent, qui sont pour le coup avec plein de piercings, des tatouages. Pour le coup, c'est des vrais tatouages. Et vous voyez sur la banderole qui s'affiche derrière que ce sont les Rolikei Creek. Qui est un groupe de ménestrels nains qui est faites-moi un test d'ailleurs de connaissance folklore locale. Ah, je crois que j'en ai ça en plus. Tu me rediras le nom après, j'ai pas bien réussi à l'avoir. Local, merde, je l'ai pas.
Je l'ai pas. Bah t'as le droit quand même avec un test local chez moi. J'ai histoire. Ouais, alors Mayal, toi du coup si t'as pas tu pourras pas. Par contre Joël de Baf, tu peux faire aussi avec potentiellement histoire ou intelligence pure. Parce que toi vu que t'es de la montagne, il y a moyen que tu les connaisses. 8. Il connaît moins bien que moi. Mais merde, ta culture. Mais j'ai plus 7. Je suis parti depuis trop longtemps de la montagne. Donc un échec critique pour Eldebaf. Tu m'as dit c'est les reliquets quoi pour Eldebaf. Reliquate Creek. Alors ça s'écrit, mais ça s'écrit pas du tout comme ça se prononce. Parce que c'est du... Bah en fait oui, le langage des nains, j'ai repris du gaélique écossais, enfin de l'écossais gaélique, ou du gaélique écossais plutôt. Vous avez, ça s'écrit, R-O-I-L-I-G-E-A-D-H, et plus loin, C-R-E-A-G. Ok. Voilà. Pour ceux qui veulent aller voir, je vous le mettrai sur, ça s'affiche sur le live, vous le verrez. Ok. À l'air du. Vous pourrez aller chercher à quoi correspond ces mots-là dans Google Translate si vous voulez. Toujours est-il que du coup, il se présente à vous. Toi, de ton côté, donc Aude, tu t'en as déjà entendu parler. Effectivement, c'est un groupe de ménestrels nains qui est très connu sur l'île du Souverain, qui sont connus pour leur musique rythmée, parfois peut-être un peu trop, et qui sont plutôt populaires auprès des jeunes nains notamment, mais pas tant auprès des nains plus âgés. Okay. Ils sont plus dans le coup. Très bon pour animer une soirée, par contre tu redoutes qu'il soit pas forcément mariage, ce qu'il y a de plus adapté pour pour les parties solennelles d'un mariage, quoi, tu vois. Je pose ma main sur le bras d'Eldebaf, je lui dis, alors eux, je les connais, c'est très sympa pour une petite soirée entre copains, par contre pour un mariage royal, je t'annonce tout de suite que c'est pas du tout le bon casting. Peut-être qu'ils ont plusieurs cordes à leur lutte, hein. Ah non, je les connais très bien ceux-là, je t'assure que non. Après, faut voir, le mariage, il est, j'imagine, en différentes parties, avec genre vin de noces, cérémonie, banquet, et après, peut-être qu'il y a une partie fin de soirée un peu plus dansante et mouvementée. Mm-hmm. Peut-être qu'il serait plus adapté pour cette dernière partie. Alors oui, là, pour si les tu derniers veux, cette partie-là, où il reste plus que les gens danser. Qui ont beaucoup bu, qui reste plus que tonton Georges, etc. Oui. Mais ça, c'est ta fin de soirée, et on va pas avoir de la musique à la fin de la soirée. Tu vas pas embaucher plusieurs groupes de ménestrels, donc il faut voir. Mais en tout cas, après, on va faire tout le long, en fait, c'est sûr. La journée, mais c'est pour ça, la journée est longue, donc je pense que c'est pas mal d'avoir plusieurs groupes pour que... Sachant qu'il en avait sélectionné qu'un. Bah, c'est ça le problème. Il y avait pas là, il a sélectionné que celui-là. Ah, d'accord. C'est bon. D'où le problème. D'accord. Alors, c'est un problème. Effectivement, c'est un problème à adresser. Je dirais, pour ne frustrer personne et que ce soit quand même, vu que c'est la culture du moment, il faut quand même les faire participer au mariage, mais plutôt sur cette dernière partie. Là oui, où voilà. Ça va plutôt être... c'est vraiment que dansant. Les plus vieux seront peut-être déjà allés se coucher fatigués, voilà, et les plus jeunes seront restés et s'attendent à... Ils seront le plus le public adapté pour ce... En attendant, ils vous font quand même une démo. Donc effectivement, vous constatez que c'est très festif, on va dire. Ça bouge beaucoup. Vous savez que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est entraînant, quoi, en tout cas. Vous... Ils font musique de fête, pas musique fonctionnelle. Ouais, musique de fête, tout à fait. Et donc, du coup, ils finissent... Moi, je dis fin de soirée. Ils finissent ça, et enfin, pendant qu'ils sont en train de jouer, vous discutez un petit peu avec Nirline, qui, de son côté, est aussi en train de nous dire, bon, je voulais pas trop vexer mon frère, mais... C'est vrai que bon, c'est très sympa pour la soirée, mais pas forcément trop pour le repas, quoi, voilà, hein, tout ça. Je suis d'accord. Du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on trouve une autre troupe pour cette partie-là. Pour le temple, je me fais pas de soucis parce qu'il y a un organiste. Ça va être la musique du temple, tout simplement. Littéralement la musique du temple, parce que dans la playlist moi j'ai écrit musique du temple, mais bon. Nirline, elle est comme ça, tu sais. Il y a deux notes. Il ouvre comme ça. Bip. Oh là, on va péter ça. Avoir du gospel. Ça se trouve, t'as du gospel nain et tout, tu sais pas. C'est Narlo qui. T'as du gospel nain. Hein.
Et du coup voilà, tu vois que après ça, elle s'approche un petit peu de son frère et bon, il remercie les Reliquary Creek. Qui du coup sont hyper enthousiastes, qui s'approchent, qui serrent la main à Eldebaf, qui s'inclinent devant la future reine. Franchement, on est trop contents de faire ça pour vous au mariage. C'est faut représenter la culture vraiment, vraiment stone quoi, dans les montagnes. Faut qu'on soit vraiment voilà. Rock. C'est rocailleux, ouais, c'est trop bien. Tout à fait. Et donc du coup, bon, ils partent, ils rembarquent tout leur barda. Et en discutant avec Narlo, voilà, il y a Nirlin qui lui fait un peu ce débrief là, en lui disant qu'il faudrait trouver autre chose. Donc, moi, je vais avec elle un peu et tout pour la soutenir. Je lui dis oui, tu sais, bah, moi c'est mon métier. Donc c'est vrai que le groupe il est vraiment cool et tout, mais c'est ça va être plus pour la partie quand on va vraiment faire la fête, tu vois, où je fais un peu genre, je suis la copine du jeune, tu vois. Tu sais, quand les vieux, ils seront un peu couchés et tout, qu'on pourra faire d'ailleurs, les filles. Là, c'est vrai que bon... Sondage dans le chat, vous allez pouvoir décider dès maintenant quelle sera la réaction des convives au Reliquary Creek pendant la soirée. On les mettra à la toute fin, donc. Hein. Il faut quelque chose de plus traditionnel, quoi, de plus calme, quoi, voilà, pour la musique d'ambiance, en fait. Éviter de me taper une sale réputation dès le début. Attendez, juste deux secondes. Roi, bof, bof. Hein. Non, c'est qu'il faut pouvoir encore discuter pendant le repas, quand même, quoi. Oui, bah c'est, voilà. En fait, il faut vraiment un groupe qui fait musique de non, mais fond, tout à quoi. Fait, faut s'entendre. Faut un truc beaucoup ouais, ambiance, plus calme, modéré, le temps du bon temps. Ambiance tranquille. Un truc peut-être qu'ils ont... Peut-être qui habille... Ils pourraient le faire, mais qu'ils peuvent le faire, mais qu'il faut leur, faut les briefer dessus peut-être aussi, tu vois. Ouais, mais on fait pas venir. Mais j'avoue qu'ils sont un peu, ils de métal pas et de rock ça, pour faire de la musique d'ambiance calme. Bah non, mais je après en plus, peut-être ils que vont ça leur plairait quand même et qu'ils savent faire, on sait pas, on peut. Je pense qu'ils savent faire, mais peut-être qu'ils aimeraient pas trop, et on aurait peut-être le risque que ça. On moi, je préfère jamais. Les maintenir, les garder en forme. Ils font les deux. Pour la fin de soirée et avoir un autre groupe qui va être là en continu toute l'après-midi. Pour faire l'ambiance sonore. Mais comme ça, moi je trouve ça bien qu'ils se relaient. Ça permet aussi aux musiciens de se reposer. Oui, après ils peuvent se reposer un peu. Et comme ça, il y a pas. Mais ça fait deux fois plus de budget. Et puis après, tu fais quoi? Tu les nourris en attendant qu'ils aillent jouer? Qu'est-ce que t'en fais? Ouais, mais bon. Je pense que pour compenser le fait qu'on les fait passer tard, on peut peut-être leur proposer d'assister au vin d'honneur, au banquet, un truc comme ça. Mais oui, voilà, ils peuvent être invités. Ah bah oui, comme ça, ils seront bourrés pour jouer. Bravo, bonne idée, Maya. Mais c'est des professionnels. Non, mais ça reste avant le digestif, tu vois. Ouais, c'est pas parce que c'est des métalleux qui savent se tenir. Peut-être qu'il joue mieux bourré. Je connais pas. Écoutez, vous, vous pouvez faire un test de représentation pour essayer de trouver un groupe qui fasse l'affaire selon ce que vous souhaitez. Représentation ou perception, selon ce que vous préférez. Ah, mais représentation comme ma représentation que je fais d'habitude. Oui, ouais. Comme ta représentation que tu fais d'habitude, c'est pour avoir ton expertise sur le sujet, quoi. Ah non, c'était pas ma journée DG. Heureusement qu'on fait pas de combat. Voilà, bon, bah dis donc. Ok, bon, ouais. Vous galérez un petit peu, vous passez le reste de la journée à chercher. Vous finissez par trouver un groupe, effectivement, qui sont les compagnons de la roue qui chante. Voilà, qui sont beaucoup plus calmes. Beaucoup plus classiques aussi, et qui sont de passage à la montagne, qui sont pas forcément que des nains, hein, mais il y a quelques nains dans le groupe, mais c'est mixte, il y a divers personnes, et il y a notamment une naine qui a une voix qui est très cristalline, voilà. Et ben justement, s'ils sont de passage et qu'ils sont un peu, on va dire pas à l'international, mais ils pourront en plus derrière raconter le mariage du roi sous la montagne, machin. Mmh. Oui, ils ont ce côté un peu troubadour, effectivement, que n'ont pas les Reliquary Creek. C'est-à-dire que eux, ils font des concerts, vraiment, hein, tu vois. Et eux, ils font ils peuvent aussi composer des chansons en lien avec ce qu'ils voient. Ils sont peut-être un peu plus dans effectivement raconter. Ouais, ça pourra divertir aussi entre les plats, machin, et puis derrière jouer sur ta réputation dans les autres villes, etc. Quoi. Petites anecdotes, oui. Très bien. Eh ben, moi ça me tente bien.
Très bien, bah, calme. Parfait, parce que de toute façon, vous aviez pas trouvé autre chose avec les jets que vous avez fait. Super. C'est le et Nirlin, qu'est-ce qu'elle en pense? Nirlin, oui, ce choix l'a satisfait. Elle trouve que c'est bien plus à propos. Donc voilà. Et là-dessus, nous allons pouvoir nous arrêter pour cette session. Donc c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Bien bossé. Ouais. Vous avez bien bossé, vous avez bien avancé, vous n'avez pas encore travaillé sur la déco. Non. Oui, il reste 2 jours là. Il reste 2 jours, mais dans la prochaine session, on va enchaîner les 2 jours et le mariage. Donc, on se prépare pour la prochaine session à bien penser aux décorations. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voire même, il y a peut-être certaines choses que je vous demanderai d'avoir préparées en amont pour la prochaine fois. Ouais, c'est ce qu'il faudra, je pense. Histoire de gagner du temps, parce que comme on aura un invité lors de notre prochaine partie, il faudrait que la partie... oui, tout à fait, un invité, ouais. Oh my god. Excellent. Tellement adapté. Donc, il faudrait que cette partie préparation soit un petit peu bouclée, entre guillemets. Ok. Yes. J'ai pas dit que c'était le chanteur des Reliquary Creek, hein. Calmez-vous hein, dans le chat. Ça a laissé tout le monde. En fait, je les imagine trop avec le design de Kiss, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, mais en fait. Je sais pas pourquoi je les visualise comme ça. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Dans l'idée. ouais, ouais. Ça ressemble à un truc comme ça, ouais. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi cette session. On va faire un petit débrief rapide. Qu'est-ce que vous avez aimé, retenu dans cette session? Une scène pour laquelle vous n'êtes pas forcément le lecteur principal. Bon, là, vous étiez souvent ensemble, donc ça va être plutôt des scènes de groupe, j'imagine. Et on va commencer par Eldebaf, justement, vu que ça tourne autour de lui lors de cette session. Eh ben, pour cette session, bah, j'ai bien aimé, moi, la discussion avec Galbrek et Gwen sur le repas, le menu, et un petit peu la démesure qui s'annonce pour le mariage, pour le banquet. J'ai un petit peu hâte de voir tout ça, et puis ouais, ça va être un véritable festin. Ça m'a donné faim, d'ailleurs, parce que je n'ai toujours pas mangé. Donc, oui, moi aussi. Ça m'a bien mis en appétit, quoi. Ça a monté, je le sentais. Je sentais le sanglier fumé, là. Un peu en mode Gaulois Astérix. Ça a eu là. Ça a eu très bon, même. Donc, ouais, moi, j'aurais dit ça. C'est la rencontre avec Galbrek, et que je redoutais un peu, d'ailleurs, parce que, comme dans mes souvenirs, il était beaucoup plus snob que ça. Bah, c'est Malgron qui est plutôt snob, qui a un côté snob. Galbrek, j'avais peut-être associé un peu les deux, quoi. Ouais, peut-être. Je les vois pas. Ouais, c'est deux opposés quand même, hein, les deux frères. Ouais. C'est ça. Mais la relation n'est pas égale, on va dire, entre les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui apprécie plus l'autre que l'inverse. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'était sympa de les rencontrer, de rencontrer sa femme, le futur petit, tout ça. Ok, très bien. Mayal, de ton côté? Moi, c'est pas forcément une scène, mais c'est tout le côté du fait qu'on participe à l'organisation du mariage. Je trouve ça intéressant parce que du coup, on se rapproche aussi un peu d'Eldebaf et de sa famille, et même de Nirlin. Et je trouve ça plus intéressant, toute cette session sous la montagne, en comparaison aux sessions précédentes sous la montagne, où c'était beaucoup plus politique. C'est pas la même ambiance, ouais. Là, c'est beaucoup plus interactif et plus, comment dire... Plus joyeux aussi. Là, c'est moins blabla, politique, et découvrir qui est qui fait quoi, comment dire, les arrangements entre les familles, machin, que là, c'est... Tu découvres une autre ambiance sous la montagne, ouais. Oui, enfin, moi, je préfère, en tout cas, dans le roleplay, jouer à ce côté participer à la vie d'Eldebaf que le côté politique. Ah bah, c'est sûr, parce que la géopolitique... Oui, c'est pas autre mon truc. Non, bah, c'est sûr, c'est une autre ambiance. Et du coup, donc, Ibilia, de ton côté... Bah, à moi, il y a plein de moments que j'ai bien aimé. Mais je pense que le moment qui m'a le plus fait rire, c'est quand Nirlin, elle arrive dans l'auberge, là, et qu'elle se fait poursuivre par les mecs qui lui disent « Alors, il y a ça comme problème, et il y a ça comme problème, et gnagnagna. » Et qu'elle est en mode « Laura, sauve-moi. Parce que je suis au bout de ma vie. Viens m'aider. » Et qu'après, elle nous voit et qu'elle est trop contente qu'on soit là, parce que du coup, on va pouvoir éponger avec elle, tu vois.
J'ai bien aimé ce passage là où la pauvre, on la voit essayer de se démener. Genre, oui, d'accord, pour faire genre la bonne future reine, mais aussi genre j'ai des trucs à faire avant. Donc, ouais. Ce serait bien de pas me faire vos lamentations avant que ça soit le jour des lamentations en fait. Oui, avant d'être vraiment couronnée. Je ne l'ai pas la couronne. C'est ça, ouais. Tout peut arriver encore, on ne sait pas. Une couronne volée, voilà. Donc, très bien. J'ai bien aimé ce passage. Et puis après, en découvrir sur Magdalene, c'est cool. Ben oui, j'ai bien aimé, moi, justement, ce passage, justement, en lien avec Magdalene et le fait que tu aies voulu rentrer en communication avec elle, justement, pour, entre guillemets, vous expliquer toutes les deux de vive voix, parce que c'est pas vraiment vive voix, mais. Vive voix dans ma tête. Voilà, vive voix dans ta tête. Donc, ça, et j'ai bien aimé aussi. L'interaction que vous avez pu avoir dans le magasin notamment et ce qui en a découlé avec l'échange avec le lutte magique qui est fort content de pouvoir enfin converser avec avec son maître. ça a pas dû lui arriver depuis très longtemps. Pour le côté Magdalene, c'est intéressant de voir comment d'une session à l'autre on l'a pensée super méchante et tout, qu'elle possédait notre amie, et puis que là, en fait, finalement, ses intentions sont pas si mauvaises et qu'elle veut juste continuer. D'ailleurs, je vous en ai toujours pas parlé, j'avais dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai que tu les as pas débriefés. J'en ai pas parlé, en fait. Donc, je pense que je le ferai la prochaine fois, parce que c'est vrai que du coup, là, je voulais poser des questions. J'en savais un peu plus, puis c'est vrai qu'on est un peu dans l'effervescence du mariage je pense pas forcément à parler de moi, entre guillemets, donc. On n'est pas trop près. Puis oui, elle t'a pas encore tout révélé, quoi. Mais, c'est ça. Mais elle t'a parlé de son patron, d'un certain Ozaïas. Protecteur. Protecteur, oui. Et elle a dit qu'elle était ta protectrice maintenant. Donc est-ce qu'elle, elle était elle-même possédée par Ozaïas? Je pense qu'elle avait fait un pacte, en fait, tout simplement. C'est un principe possession. Le principe de la scène en disant tu me dis ton nom et tu me demandes d'agir et à partir de là je serai ton protecteur, c'est un pacte. Voilà. Donc c'est un pacte. Type comment les sorceleurs ou les trucs comme ça. Et... Alors après lui, à quoi il était, avec quoi tu peux faire des pactes? Moi je n'ai pas cette connaissance, est-ce que c'est des choses... C'est pas forcément les entités maléfiques, j'imagine, il peut y en avoir des plus ou moins sympas. Mais surtout le mot protecteur, général. Moi qui m'a tiqué, parce qu'elle dit vraiment que c'était son protecteur à elle, et après elle dit comme moi je suis ta protectrice maintenant, alors que t'as pas spécialement conclu de pacte toi avec elle. Bah en fait, qu'elle soit rentrée, je pense que ça a fait un pacte, quoi. Malgré moi, parce que j'ai pas su résister en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, tu es incapable d'aller à l'encontre de ce qui. De son objectif à elle, quoi. Il y a aussi vite fait le truc en mode on va aider Frédéric et que tu dis oui on va t'aider, mais de toute façon en fait avec le marteau d'aile de baf lui ça fait qu'il peut pas ne pas aider les gens après, parce que je me souviens qu'elle de baf il dit oui on va aider machin. Il a effectivement de toute façon dire une malédiction, non, mais il était pas au courant. Ah non, oui, c'est la malédiction, c'est pas le marteau. Il était pas au courant encore de cette capacité là il s'en est pas aperçu. C'est que toi t'as regardé le live. Ah, il a pas regardé le live. Ah non, je crois pas qu'il ait regardé le live, hein, ou il est censé le savoir de toute ou façon. Il a peut-être pas vu dans les épisodes qui sont sortis. Non, c'est dans le prochain épisode qu'il va voir ça. C'est dans le prochain épisode. Pas sorti en... Moi j'ai vu. Oui, c'est dans le huitième. C'est dans le huitième épisode que tu vas découvrir dimanche soir, hein, parce que là, pour tout dire, nous on tourne un petit peu en avance parce qu'on n'était pas forcément disponible vendredi de la semaine prochaine. Donc du coup, on tourne ça en avance et effectivement, tu découvriras quelle est ta malédiction par les gobelins. Mais oui. Malédiction. Dimanche soir. Mais j'ai pas. Je sais que j'en ai une, mais je sais pas ce que c'est. Ouais. Bah tu sors. Il fallait regarder le live en live. Je pouvais pas. Eh oui. Non, mais il y a de toute façon, il y a toutes ces choses là qui m'arrivent entre guillemets, dont j'ai pas trop eu le temps parce que c'est vrai qu'on est un peu au four et au moulin pour le mariage de Tepap. Mais il y a ce truc là dont je vous ai raconté de mes rêves, de mes songes. Et puis il y a Frédéric. Il y a cette histoire de Frédéric dont toi t'es arrivé sur la fin. Mais tu sais pas, du coup, t'es arrivé quand je parlais avec le prêtre, mais on avait déjà fini de parler de Frédéric, en fait. Mais cela dit, comme on vous a parlé de galerie, potentiellement, il y a une personne qui peut vous aider à vous repérer dans les galeries pour aller dans la galerie qui a été identifiée. C'est Tulix, tout à fait.
On va revoir sa chauve-souris. L'homme chauve-souris. Et par là même, bah, du coup, je vais un peu anticiper, puisque le prochain live se passera en janvier. Vous découvrirez dans ce live que cet invité n'est nul autre que Basile, qui viendra nous faire un petit coucou dans la partie. Donc il viendra jouer avec nous. Et c'est Basile qui va interpréter Tulix. Okay. Donc, un nain qui ne peut pas parler. Mais il va pas parler. Bah, par message. Mais alors, attends, c'est ce que j'allais dire. Il peut pas parler, mais ça se trouve par message. Sauf s'il a fait vœu de. Bah, silence. Écoute. Est-ce qu'il a une petite ardoise Faudra voir avec lui s'il estime que ça enfreint ou pas son serment. C'est lui qui prendra la décision. De faire par message. C'est moi qui vais pouvoir parler avec lui à chaque fois. Alors, je vous dis ce qu'il m'a dit. Alors, il m'a dit. Ça peut être ça. Hein. Et si ça se trouve, il va dire des trucs. Discord. Mais non. C'est plus tout ça que j'ai dit. Jamais la vie. Enfin bon, trop hâte. Donc voilà, donc bah, tout ça, ce sera la prochaine fois en tout cas. Bah, merci à vous d'avoir participé. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode des dés sont jetés. On va faire la petite conclusion comme ça. Si vous avez aimé cet épisode, évidemment, pensez à liker, partager, vous abonner. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à aller voir, à aller faire un tour sur nos différents réseaux pour nous accompagner, pour nous soutenir. Une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, la boutique va arriver pour Noël, la boutique merch, vous pourrez y acheter des t-shirts notamment et plein d'autres trucs, donc ça va arriver juste avant Noël, voilà, ça vient dans la semaine qui suit ce live, et puis vous pouvez aussi évidemment aller nous soutenir sur la page Patreon, donc les contributions ont été un peu plus mises en place désormais, donc... vous avez trois niveaux. Le niveau dérouleur confirmé, pour lequel vous avez donc un gros remerciement déjà pour votre soutien. Un rôle spécifique sur le Discord avec un accès pour pouvoir contribuer à l'aventure en créant des PNJ majeurs, des lieux, des objets, etc. qui pourront venir rejoindre l'aventure. Vous avez ensuite le dérouleur expert qui lui a accès, donc à partir du niveau dérouleur expert qui est le niveau 2, vous avez accès aux maps de la campagne que nous postons sur la page Patreon. Vous avez également les contributions du dérouleur confirmé. Et enfin le troisième, donc c'est dérouleur de légende, où là vous avez encore une fois un rôle spécifique sur le Discord, et vous avez la possibilité d'échanger avec les autres MJ de légende et de pouvoir avoir des sessions de conseil dédiées en privé avec moi ou Basile pour vous conseiller sur votre prise en main de votre table, etc. Voilà, sur ce, bah, on vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir de nous avoir soutenus. Et on se retrouve en janvier pour le prochain live. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour ceux qui sont sur YouTube. Et d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. On vous fait des gros bisous. À bientôt, ciao. Bye bye.